Et yo les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire un Death Run sur Minecraft en créatif. Donc ça va être assez stylé. Donc pour me soutenir, n'hésite pas à liker, commenter, partager et s'abonner bien sûr. Si vous êtes prêts, on est parti. Donc pour commencer le Death Run, oui là j'ai pas pris un monde tout seul, hein. Il y a la villa là-bas. Regardez, je vais vous présenter un peu la villa déjà. Donc déjà là c'est assez stylé. Voilà, donc là c'est le côté. Hein. Bon, on va faire Death Run après, hein. Je vous présente juste un peu la villa. Donc là j'ai fait à peu près tout seul. Donc là, hop. Donc là on a la cuisine, un peu, voilà. Là on a l'étage, c'est là où c'était inondé à un moment. C'était trop drôle, j'étais trop nul. Donc là on peut descendre, là c'est l'escalier, on peut descendre. Là il y a une douche. Voilà, donc on peut se baigner, on peut prendre la douche, on peut être tranquille, voilà. Donc voilà, donc là on a fait, donc là j'ai fait la douche. Là j'ai fait la chambre, donc avec le bureau et tout, enfin j'ai pas fait de setup encore. Voilà, du coup là c'est un peu le truc. Du coup voilà, j'espère qu'il pleuvra plus parce que c'est chiant. Voilà, donc là on a de la petite terrasse, assez stylée, voilà. Je sais, j'ai beaucoup d'imagination. Enfin, quand même. Donc là, j'ai pas mis les deux blocs là parce que sinon, ça ferait pas stylé, ça ferait trop renfermé. Voilà. Du coup, bah, on est parti pour aller faire le Death Run. Donc là, on sort de la baraque. Hop, hop. Hop là. Donc là, je vous ai pas. Enfin, je vous ai dit. Enfin, mais je vous l'aurais dit quand même. Je suis en créatif. Hein, je suis en créatif. Ah oui! J'ai fait une maison Nintendo Switch aussi, c'est stylé. Attendez, je vous la présente. Au moins, je vous présente cette maison. Au moins. Voilà, donc là, on a un peu ça. Là, on a des blocs, des trucs, là, comme ça. Bon, c'est un peu éclaté, mais vas-y, au calme. Voilà. Donc, petite maison assez stylée. Enfin, c'est plutôt l'extérieur qui est stylé, moi, je trouve. Voilà. Encore une fois, fait tout seul. Donc là, on va procéder au Death Run. Donc là, en fait, on va faire une espèce de ligne droite. Genre, on va enlever toutes les fleurs. Et on va mettre, Enfin, tout simplement. Enfin, on va même pas enlever les fleurs. Vous savez quoi? Ça fera bien nature et tout. Et dans une partie 2. Et une partie 3. Donc normalement, il y aura 4 parties dans cette vidéo. Il y aura la partie où je fais le Death Run. Il y aura la partie 2 où je fais encore le Death Run, genre je le finis. Et il y aura mais il y aura même plus de parties que ça, puisque le Death Run il va être assez grand. Parce que j'aimerais que je puisse y jouer et me lancer des défis. Genre vous mettez des commentaires et tout, vous me lancez des défis, genre faire des raccourcis et tout. Mais genre en survie, pas en créatif, comme ça je triche pas. Voilà. Donc là on enlève à peu près l'herbe, genre juste pour faire beau quoi. Après, je fais peut-être une petite pause parce que, enfin, de toute façon, je vais revenir à la vidéo. Je vais peut-être chercher une canette parce que j'ai soif. Voilà, donc on a enlevé l'herbe. Donc là, c'est nickel, parfait. Voilà. Donc, on va essayer de mettre un peu du bois un peu partout pour que ça soit plus joli. Et pour faire un peu de plus Death Run facile, quoi. Enfin, je sais même pas si je pourrais poster la vidéo parce qu'avec mon tel, le stockage est saturé. Mais vas-y, ok. Pas grave, KLM. Donc voilà. Hop. Pire, je le ferai d'un hôtel, vous inquiétez pas, j'ai plein de techniques. Donc là, on commence juste par déjà faire ça. Hop là. Donc là, on va continuer à faire ça. Donc sur cette vidéo, il n'y aura pas trop de montage, hein, déjà je vous le dis. Voilà, donc on a déjà fait une grande plateforme. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est un Death Run, mais genre à étage, genre à haut étage, genre comme ça. Genre à peu près jusqu'à là. Voilà, un petit Death Run jusqu'à là, ça pourrait être stylé. Et mon tel, il est bugué. Non, mon téléphone.
Ok, je suis désolée, la vidéo elle a coupé, mais je reprends la vidéo. Voilà. Donc, je disais, on va faire des strings jusqu'à à peu près ici. Donc, on va se faire genre un marque de bloc. Genre, on va monter jusqu'à là-haut, puis voilà. En gros, ce que j'aimerais bien faire, c'est genre prendre d'espèces de bois. Alors, genre, en gros, j'aimerais faire ça. Genre, en gros, là, je mets du bois un peu partout, comme ça. Et genre, je mets des espèces d'escaliers. Mais genre, j'aurais pas le droit de monter. Genre, j'aurais le droit de faire ça. Mais genre, pas de monter en volant, quoi. De toute façon, je vous ai dit... Attendez. Je vais revenir comme ça. Voilà, c'est mieux. Hop, hop, hop. Du coup, je pense que ça pourrait être bien pour premier niveau. Pour premier niveau, c'est un espèce de only up, mais version Minecraft. C'est stylé, en vrai. Donc là, en créa, je peux large le faire. En vrai, je vais pas me spoil, je vais voler. Comme ça va être plus simple et je serai un peu plus... Ça sera un peu plus compliqué quand je essayerai de le faire. Voilà. Donc ça, c'est le niveau 1, assez facile. Hop. Voilà. Donc là, je vais monter. Donc ça, c'est aise. Donc ça, c'est easy. Hop là. Comme ça. On va faire un autre truc comme ça. Hop, un autre escalier pour bien monter. Voilà, donc ça c'est le level 2. Donc je pense que pour le level 2, on va faire une espèce de plateforme. Mince. On va faire une espèce de plateforme, pour espèce de se reposer quoi. Enfin, pour dire que c'est le level 2. Donc moi je suis assez éclatée en Death Run. Et encore plus pour en faire. Hop. Donc là c'est level 2. Hop là. On a fait la petite plateforme, nickel. Voilà. Donc là, le level 1, ça commence ici, ça fait ça, ça, ça. Là, on monte au level 2. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est ça déjà pour commencer. Je vais faire des escaliers comme ça. Voilà. Après, je vais genre faire une espèce de plateforme, genre comme ça. Genre comme ça, mais en barrière, les gars. Alors, donc je vais aller dans mon stuff. Hop. Je vais chercher des petites barrières. Par exemple... des clôtures en carmin, voilà, c'est bien ça. Hop là, donc là j'en mets. Ça bug. Voilà, du coup, hop, là ça va être assez complexe. Là je vais faire un truc comme ça. En vrai je vais faire un petit truc stylé. Hop, hop. Et genre là je vais faire un espèce de truc pour faire un raccourci. Même si je sais pas si je vais le faire. Je vais essayer de trahir le Death Run. Donc là, en fait, là, il y aura juste à sauter et faire ça. Voilà. Enfin, je sais pas si on peut, mais vas-y, au calme. Comme ça, ce serait kit. Voilà. Du coup, là, on a fait le petit raccourci déjà. Pour bien tryhard le test run. Hop. Là, c'est facile. Là, je vais commencer à faire des petits zigzags. Des petits zigzags comme ça. Et là, on va revenir quand même un peu sur la plateforme. Hop. Hop, 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 je me suis trompée, lève-toi, hop, hop, voilà. Voilà, donc ça c'est l'épreuve. Hop, là je vais construire une plateforme, non. Là le bloc, non pas dessus, non, à côté. Voilà, c'est bien. Hop. Je ne veux pas faire une trop grande plateforme parce que même je pourrais faire des raccourcis et tout. Puisque je vais bien trahir le Death Run, moi je vous le dis. Sur mes vidéos, il y aura du Death Run, enfin des trucs comme ça, et du vrai Death Run de Fortnite. Voilà, donc le level 2 de la première partie. Donc c'est pas la fin du level 2. Donc ça c'est le premier, genre là c'est la première partie du level 2. C'est assez compliqué en vrai. Mais ça devrait aller. Alors moi, vu que j'ai pas trop d'inspi... Je pense qu'on va faire un espèce de truc, genre on va prendre des escaliers. Des escaliers. Où sont les escaliers? Ils sont pas là. Alors moi, Minecraft, j'ai pas souvent joué, quoi. C'est pas mon jeu préf, quoi. Pour ceux qui savent bien sur ma chaîne. Où sont les... Ah, là. Donc là, je vais prendre ça, un petit truc stylé. Je vais en mettre là, hop. Donc là, j'aurais juste à normalement en remettre. Ah non, dommage. Donc là, j'ai juste à faire ça normalement.
Ah, ça serait bien ça. Voilà, j'ai une idée. Non. Non. Ah! Et quand je vous dis que je suis nulle, quand je vous dis que je suis nulle. Mais voilà, nickel. Voilà. Donc là, on a fait le truc pour passer. Voilà. Alors, je sais pas encore ce qu'est-ce qu'on va faire. On va peut-être mettre des espèces de portes. Il faudra aller dessus. Ça serait stylé en vrai. Est-ce que déjà on peut mettre une porte? Non, on peut pas mettre de porte, les gars. Attendez, peut-être là. Ah là. Là, les gars, regardez. Là. Si on met une porte ici, ça marche pas. Ah, ça marche pas. Je suis trop dégueu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, on est là. On va faire un petit truc qui est compliqué pour le level 2. Pas trop compliqué, mais quand même un peu. On pourrait mettre genre des toiles d'araignée à esquive. Là, toile d'araignée. Genre là, ce qu'on pourrait faire, c'est que là, vu qu'on est monté en escale, là, on va mettre genre un bloc. Ce qu'on pourrait faire, c'est mettre des blocs genre piégés. Genre celui-là. Là, je fais ça, voilà. Donc là, genre parmi un, il y aura un bloc piégé. Je sais pas, il y aura genre... je sais pas moi, il y aura genre une TNT qui va exploser ou je sais pas. Non, ou au pire, j'ai une idée, les gars. Je viens de me donner une idée à moi-même. Là, une TNT. Faut que je prenne une TNT. Non, en vrai, ça va être nul. Non. Pourquoi je vais prendre une TNT, moi? On va refaire le truc. Hop. Donc là, une toile d'araignée. Normalement, on est censé... C'est censé être compliqué à traverser. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est chiant. Hop là. Donc c'est censé être compliqué à traverser. Donc on va faire un espèce de chemin sans toile d'araignée. On va faire un chemin sans toile d'araignée, mais très compliqué. Genre comme ça. Hop. Genre un espèce de truc comme ça, assez compliqué. Hop. Un truc comme ça. Et genre au bout d'un moment, genre il y aura le chemin là par exemple, genre avec les toiles d'araignée. Genre là, ce sera un chemin avec des toiles d'araignée. Hein. Donc là. Là, pour par exemple prendre le raccourci, il y aura plein de toiles d'araignée. Merde, mince. Hop. Et pour le troisième, j'ai ma petite idée. Ce sera comme je voudrais. Voilà, donc comme ça. Faudra pas que je tombe. Hop. Voilà. Donc là, deuxième truc. Là, j'en mets comme ça, ouais, c'est bien. Et pour le troisième, on va faire ça. Ça. Ça, 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 ah j'ai une idée, ça, là genre on descend le truc, non, le bloc là il descend, ça descend encore, hop, là on fait ça, genre ça sera aussi un espèce de raccourci, hop, donc là je vais mettre les toiles d'araignée, non mince, hop, toile d'araignée, comme ça. Hop. Ensuite là, pour les dégâts de chute. Hop. 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 Et hop, voilà. Donc ça, c'est nickel. Ah, ce qu'on pourrait faire, c'est ça. Encore descendre. Faut vraiment pas que je tombe alors. Hein. Hop. Hop. Et là, on colle une toile d'araignée ici. Donc voilà, donc là, déjà, et dans une partie, je serais obligée de prendre tous les destruns. Genre, essayer de prendre tous les destruns. Genre là, je passe la toile d'araignée, je fais ça quoi. Vous voyez pour jump. Donc voilà. Hop, donc déjà, ça c'est le level 2. Ensuite, déjà, là, je vais terminer ce truc là parce que je l'ai pas terminé. Hop, là, je vais mettre une toile d'araignée. Hop là. Une deuxième, hop là. Hop là. Hop là. Je vais mettre deux blocs en dessous. Non, ici. Non. Là.
Genre là, attendez, je vais prendre des blocs, je vais en mettre, parce que comme ça, si je tombe ici, ça me fera les dégâts de chute. Voilà. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que là, il faut que je creuse. Donc là, je vais enlever ça. Donc là, il faut que je creuse à peu près comme ça. Et m'assurer que je meurs si je tombe. Bon, bah déjà, si je tombe, je meurs. Faudra quand même un truc pour repérer mon stuff. Parce que si je meurs, faut que je fasse un truc comme ça. Attendez. Donc, attendez. Je pense en vrai on va le faire dans la partie 2. Attendez. Hop. Donc déjà si je meurs maintenant, enfin... Au moins en survie, si je meurs, je pourrais repérer mon truc de loin. Ou on va peut-être le faire en créatif, mais je sais pas. À vous de choisir si vous voulez. Hop là. Voilà, nickel. Donc voilà, c'est un petit truc qui se repère de loin. Hop, voilà. Donc là, on peut reprendre notre niveau là. Un truc assez compliqué. Voilà. Enfin, c'est déjà bien là. Si je m'arrête là, hop, hop, et voilà. Faudra que je prenne une espèce de raccourci. Hop, là je vais mettre un escale. Ici. Enlève-toi, attends. Je vais l'enlever et mettre un escale et la remettre, voilà. Comme ça. Ensuite là je vais mettre des blocs, comme ça, voilà. Ensuite on va tout rassembler. Bon bah là faudra sauter hein, pas grave, vas-y. Attendez, je vais quand même mettre un escalier, ça sera plus simple. Voilà. Donc là la même, je vais mettre. Ah non, je vais pas mettre d'escalier sur celui-là. Je vais mettre juste un bloc. Voilà. Ça pourrait être stylé. Pour le level 2 de la partie 2, c'est pas mal. Alors pour le level 3, moi je compterais faire genre un espèce de truc à piège. Donc en gros, je sais pas si ça existe, mais attendez. Genre, il faudrait que je remette de l'eau, et que dans le stuff, on aurait de l'eau pour éteindre la lave ou autre chose, pour faire un truc comme ça. Ou alors, on pourrait faire aussi un level avec de la lave. Oh, ça pourrait être stylé, je vais me donner une idée, les gars. Oh, trop bien. Voilà, j'ai mon level, les gars. Hop. Donc là, on va descendre pour faire le bassin de lave. Faut quand même que ça soit un peu compliqué. Du coup, on va le faire loin. Voilà. Donc là, je suis descendue de 2. Non, de 2, j'ai dit. Et à peu près là. Oh bah, je me suis arrêtée au truc pile, je crois. Voilà. Donc là, je vais faire tous les trucs. Oh bah, je me suis arrêtée au truc pile, tiens. Pour une fois. Hop. J'espère le bois il brûle pas. Mais je crois que le bois il brûle. Enfin la lave elle brûle le bois. Je sais plus. Oh, j'ai 3 de cuir, les gars. Attendez, je vais mettre de la pierre. On va refaire tout ça mais en pierre. Pierre, voilà. Hop, on enlève. Non, pas ça. C'est pas grave. Hop, ça on en remet de la pierre aussi. Voilà, donc on peut recommencer. Nickel. Je dis nickel avant d'avoir fini les deux. Hop. Franchement, c'est moi, je veux la sucrer tout seul, les dés de Destron. Je me suis dit, ça pourrait être stylé.
Et vraiment, genre, vraiment, j'ai pas recopié le concept des grands youtubeurs. Hein. Vraiment. Je vous dis tout ça honnêtement. Genre, ça vient que de mon inspi. Donc si vous avez des questions sur le Test Run, genre si vous pouvez y jouer, si... Donc pour l'instant, moi je sais pas comment on fait pour mettre en ligne, pour que je mette en ligne le Test Run. Je vais essayer de chercher un peu sur les réseaux sociaux. Attends, je suis en vidéo là. Ouais. Voilà, du coup là j'ai fait le bassin. Là il me faudrait de la lave. Hop. Je sais pas où c'est la lave. Vraiment pas. Mais genre premier degré. Je sais que c'est avec l'eau la lave. Donc ça doit pas être pas loin. Rien de miel, c'est pas ça. Ouais, vraiment, je trouve pas. Où sont la lave? Peut-être pour la partie 2 il y aura un pote chez moi, enfin il y aura quelqu'un avec moi. Ce sera le premier feat. Ouais, vraiment je sais pas où c'est. Mais wesh, où est la lave? Où? Attendez, je vous reprends quand je l'ai trouvé. Donc voilà les gens, j'ai trouvé le seau de lave. Donc on va mettre de la lave partout. Bon, on n'est pas des pros en Minecraft, hein, mais vas-y. Non? Ah bah je savais que ça allait brûler. Je savais. Faut que je mette de la pierre. Oh, non, ça va brûler tout le truc. Le feu. Enlève-toi. Ah, je peux enlever le feu. Enlève le feu. Voilà. Je savais que ça allait brûler. Heureusement, j'ai pas fait toute une base en feu. Hein. En bois. Ouah, wow, je sais pas en parler. Ouais, j'en veux jusqu'à là, la lave. Hein. C'est censé se terminer de remplir. Ah bah non. Là, si je vais dedans, je brûle. Même si je saute. Attendez. Hop. Là, je peux pas sauter et me partir. Non, c'est bon. Voilà. Donc on a notre truc. Là, escalier. Et hop, on fait ça. Oh, ça va être chaud, les gars. Donc en tout, il y aura 5 levels. Je vous le dis. Donc là, j'ai déjà fait 2 levels. Donc là, c'est la partie 3 du level 2, du coup. Et il y a 3 parties dans le level 2, du coup. Compliqué. Là j'aurais juste à sauter en vrai. Mais je fais ça en plus. Voilà. Pourquoi ça prend feu, je sais pas. Voilà. Donc là on va faire une plateforme comme d'hab. En pierre cette fois. Ok, quand même. Je savais que le bois ça allait brûler. Je sais pas pourquoi. Heureusement ça va pas casser tout le monde d'estrade, hein. Parce que sinon tout se travaille pour rien. C'est pas top quoi. Voilà. Donc on se retrouve dans la partie 2 pour faire le level 3, partie 1 du coup. Donc là, il y avait une partie du level 1 un peu nulle. Donc là,
Non, 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 non. Si, si, si. Partie 1 du level un peu nul, enfin un peu facile là. Là, il y a ça et tout. Là, le level 2, partie 2. Et là, le level 3, level 2, partie 3. Et ensuite, on fera le level 3, partie 1. Ensuite, partie 2. Ensuite, il y aura le level 4, partie 1, partie 2, partie 3. Et ensuite, il y aura le level 5, partie 1. Et après, on aura fini. Il faudra juste essayer de le destruire. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouve à la partie 2. Bye!